Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un shooting avec Elsa et Morgan. Mais avant tout, je tenais à vous remercier car nous avons atteint les 600 abonnés sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Et je dirais à tous ceux qui regardent la chaîne sans être abonnés, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça permet à YouTube de mettre en avant la chaîne. J'ai choisi le bleu ciel comme fond parce que le modèle Morgan, elle avait apporté des vêtements roses dont j'ai essayé de jouer sur la complémentarité des couleurs. Pour ce premier set d'éclairage, j'ai utilisé donc un V-flat sur le côté droit du modèle et j'ai placé ma lumière sur le côté gauche un peu en diagonale. Le V-flat va permettre entre guillemets à la lumière de rebondir et d'éclairer, de déboucher les ombres sur le côté sombre du modèle. Concernant le matériel, j'utilise toujours donc mon Nikon D850 et mon 85 mm Nikon que j'adore, que j'utilise pratiquement tout le temps. La lumière, donc j'ai utilisé mon Godox AD600 Pro avec une octobox de 85 mm de diamètre. La lumière est vraiment que d'un côté. Donc du coup, de tout ce côté, ça va être vraiment bien éclairé entre guillemets. Il y aura la lumière est surtout là. Et en fait, selon comment tu vas te tourner, tu vois, donc selon comment tu vas te mettre, donc on aura plus ou moins de lumière de ce côté. Donc je peux jouer avec, selon les poses, selon comment tu vas poser, etc. Donc, okay. Et pareil sur les côtés, du coup ça va être un peu plus sombre quoi. Donc du coup ce qui fait que c'est pour ça qu'en fait ça fait le focus sur toi puisque tout là c'est sombre presque et du coup la lumière vraiment ok. Donc voilà, donc du coup n'hésite pas à bouger normal quoi. J'aime bien les poses comme ça, c'est cool. Le sac aussi va très bien avec. J'avais pas vu que t'avais mis le sac aussi dans. Oui, oui. Assorti aux chaussures. Ah. Oui. Mais c'est pas la même marque. Pour ce deuxième set d'éclairage, j'ai décidé de partir sur quelque chose de clair-obscur. J'ai commencé par une lumière en face du modèle, un peu sur la gauche, avec une grenée d'abeilles afin de vraiment focus la lumière sur son visage. De l'autre côté, j'ai mis un V-flat noir afin d'éviter que la lumière rebondisse sur le fond, sur le mur blanc et revienne sur le modèle. Mais finalement, je me suis rendu compte que l'arrière-plan, le côté non éclairé, était vraiment trop sombre. Donc j'ai rajouté une strip light à l'arrière de Morgan afin qu'elle vienne éclairer les cheveux et son côté afin de la dégager du fond parce que ça faisait vraiment trop sombre de ce côté-là.
Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, je vous laisse me dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos car ça permet à Google de mettre en avant la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.